Il est 4h35. Oh là là. Dure la vie. Il nous reste 10 minutes pour partir. Ah ouais. Let's go, va voir ton café. Moi, je vais prendre mon café, moi. Je suis sacrément serré, en fait. Dans ton slip? Dans le slip, dans l'objectif. Ça change, il y a deux minutes, t'étais tout excité. Ouais, mais serré, excité. Ah oui, là, ça bah va oui, ensemble. Forcément, ça va ensemble. Ça va ensemble. Ange donne sa confiance, naïve, inconsciente, lucide, elle prend des risques. L'humanité existe, mais. Place à la malice, sans un soupçon de vice. Quand dans ce monde étrange, les hommes font d'elle un ange. Elle s'en fout, s'en balance de ce que les gens pensent. Moi c'est Aurélia, nom d'artiste Ormet, pour Aurélia May, puisque c'est mon nom de famille. Je suis donc chanteuse. J'écris mes chansons depuis à peu près un an et demi maintenant. Ce projet m'a été inspiré par mon patron, qui m'a dit « Aurélia, il faut que tu fasses des chansons ». Donc il m'a dit une fois, je dis « oui, oui, oui ». Il m'a dit deux fois, je dis « mais il est sérieux, ok, je vais m'y mettre ». Et puis depuis, il nous a quittés et j'ai tenu parole. Là, c'est juste une image. Hein. Oui, c'est d'accord, ça. Après, en fait, tu feras des clichés. Elle va faire des poses, des machins, des trucs. Oui, et toi, voilà. Tu pourras prendre quelques photos de ça. Ouais, pour, quelques moments. Voilà. Okay. Et je te pose la question. Et ça les rend. Mais sans balance. Ange, ange, ange. Là, mais par contre, on a géré. Mais ça va, tu vois, c'est, on garde le sourire, ça va le faire. Keep the pitch. Ça va le faire, on va. On est, tiens, attends, je te mets un peu de lumière. Voilà. Yeah! On est bon, on a encore le sourire, il pleut à mort, mais ça va le faire. Donc, a priori, d'après l'application d'Alexis, dans 10 minutes, il pleut plus. D'accord, ok, ça marche. Ok. Allez, à tout. Ok, ça marche. Je te dis quand on décolle. Donc là, nous sommes. On est où déjà? Opéra. Voilà. On est où? On est à Opéra. On attend qu'il finisse de pleuvoir. Et en fait, on va faire le plan d'adolescente. Donc voilà, ça va être le plan de l'adolescente qui va se passer à Opéra. Et donc voilà. Suivez-nous. Et hop. Faire quoi d'abord? Alors, il y a l'arrêt de bus qui est là. Il y a l'arrêt de bus qui est là, on peut faire le bisou en premier. L'arrêt de bus? Ah oui. On fait le bisou en premier? Ouais. Allez, parti. L'inspiration, elle m'est venue un peu comme ça, en réfléchissant au prochain clip à ce que je devais faire. Et par rapport à Ange Dérange, elle s'en balance, elle danse. Je voyais bien effectivement une jeune fille évoluer par rapport à son âge et avec de la danse, bien évidemment pour le côté artistique, qui change du chant pour ma part, mais du coup ça a un côté sympa. Et voilà. Et donc plusieurs endroits de Paris assez jolis et de l'art même en vidéo. Qui t'a triché un peu, hein? Ouais. Ouais, voilà, ouais. Parce qu'en fait, ce qui va se passer là, c'est ce qu'on va faire, c'est que en fait, elle va embrasser. Alors, elle embrasse pas un abribus, hein. Elle embrasse en fait la vitrine. Mais ce qu'on va faire, c'est comme on peut pas rentrer dans la vitrine pour faire le plan, on va faire croire que ça vient de la vitrine, tu vois. Mais bien sûr, on a pensé à tout, on a tout désinfecté, donc elle peut embrasser sans avoir des maladies valériennes. Tiens, attends, je veux juste voir un truc. Viens, on va juste se mettre pour voir la lumière, parce que je vais refaire la même lumière.
Ça tourne à l'image quand tu veux. Je fais comme ça, je fais peut-être un truc, tu sais, un peu... Ça rate un truc. Ok, ça marche. Tu vois, ça, c'est un peu... Tu vois, c'est ça, c'est un peu... Mais il faut qu'elle pense à faire le bisou aussi. Ouais, il marche trop bien. Ah oui, genre je fais le code pour rentrer dans les meubles. J'ai l'air d'aise et ça dérange, mais sans balance, ange, ange, ange. Ange, garde patience, maquille son innocence, vigilante, pas stupide. La robe, je crois que c'est la vie. Caméra contre caméra. Qui va gagner ? Vigilante, une vraie combattante, sans mari, sans complice. Sa vie est des caprices, car paraître élégante, rend impressionnante. Elle s'en fout, s'en balance. Alors, plan rotatif, ce que les gens pensent. Oui, sur le plot. Mais ouais, on fait d'abord la marche et après la plot. Image et transition, son changement environnement. Ouais, c'est là où elle fait. Je m'appelle Alexis Le Fournier, je suis réalisateur du clip Ange dérange qui a lieu à Paris en ce moment même. Et donc là on arrive à la fin du tournage, ils sont en train de se préparer pour, voilà, pour la dernière scène, la scène de la femme mûre. Et donc en fait on a essayé de chercher un peu cette temporalité entre la femme de l'enfance jusqu'à la femme l'adulte en fait. Donc voilà, on a essayé de chercher ça et voilà. Ça change. Il faudra bien que je me... c'était l'inverse. En fait, elle part, elle s'envole et quand elle atterrit, elle arrive de l'autre côté. Oui, c'est ça. Ah oui. Mais moi, je pensais faire de face à face, on avait dit aussi face à face, où en fait, ça fait comme si l'endroit changeait en fait, tu vois. Ok. Bon, vas-y. Bon, tu fais comme tu veux. Et on a essayé d'exprimer ça en fait dans différentes temporalités. Entre la nuit et le jour, entre la jeune fille, la petite fille, à la femme adulte. Ouais. Voilà, moi, je laisse focus sur elle, mais Je me mets là en attendant. Enfin, je me mets derrière toi. Ouais. C'est compliqué. Ok. Ça va si tu fais un petit chignon comme ça. Parfait. Ouais, c'est bon, ça tourne à l'image. Redis-moi ça. Bah en fait t'as raison, je pense que ça peut être vachement joli d'avoir en fait là-bas le côté un peu plus sombre où elle danse. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Bonne idée. Ange, elle aime, elle danse et ça dérange, mais sans balance, ange, ange, ange. Merci à toi, Alexis. Oh.